Alors, vous êtes passé au scanner de la télé d'ici, monsieur le ministre, et les résultats révèlent que vous avez un couteau planté dans le cœur. Et on le connaît tous, ce couteau. Le couteau de la Bagoué, le couteau de la savane, celui qui vous a vu naître et grandir. D'ailleurs, votre parcours de vie est une immersion dans le champ lexical du couteau. Aiguisé, vous l'êtes pour la finance après un bac, des détours dans les prestigieux ESK d'Abidjan, HEC Paris chez Arthur Anderson, escale dans la Brighton Polytechnic Institute et Marcus Evan ou encore la Orange Controlling Business School, en plus d'une touche d'audit de business, de management et d'entrepreneuriat. Tranchant, vous êtes au poste d'auditeur, de chef de mission, de directeur financier et administrateur de groupe de banque, de directeur général adjoint ou directeur général tout court, directeur délégué ou directeur des affaires réglementaires. Vous travaillez de façon acérée dans les boîtes les plus réputées du CH Corporate. Pointu, dans vos différentes fonctions, député de couteau blessé gay, de ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, ministre de l'économie numérique et de la Poste, ministre de la construction du logement et de l'urbanisme et porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, coupant votre famille de tout tumulte médiatique avec discrétion, maestria, au point où l'info minimale concernant votre vie privée sur le web se résume au nom de votre épouse et de vos 5 enfants, sans plus. Découpant les tentatives ennemies qui visent à vous déstabiliser, vous faire descendre de votre piédestal. Taillant efficacement un profil pour ce qui vous concerne des plus admirés des arcanes du pouvoir ivoirien, sans jamais faire de bulle, en piquant le cœur de nombreux admirateurs. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas seulement l'homme de couteau, vous êtes même l'homme couteau, et pas n'importe quel couteau, un couteau suisse avec une lame d'acier, et ce n'est pas demain que la rouille vous prendra.